Salut tout le monde, c'est Dessie. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'ouverture. Il s'agit de deux tri-packs avec deux boosters impulsion turbo et quatre boosters évolution. Mais avant, je voudrais juste faire une petite parenthèse car j'avais fait un défi avec Pokédab. Donc si jamais tu passes par là, tu pourras voir que j'ai bien respecté ton défi. Donc en fait, il s'agissait de montrer un de nos displays qu'on possédait avec Keios, donc un des displays les plus chers. Donc le voilà. Donc voilà, comme tu le vois, il est scellé. Il est édition 1 et c'est Gym Challenge. Donc voilà. Je vais le mettre sur le côté parce que j'ai pas envie de l'abîmer pendant les ouvertures. Et on t'avait aussi promis donc la carte la plus chère qu'on possède actuellement sous PCA. Donc il s'agit de la méga Dracaufeu. Donc celle-là, c'est la secrète. Donc du coup, voilà, je vais aussi la pousser et la mettre avec le display. Ce sera plus simple pour moi. Et voilà. Donc on va tout de suite enchaîner avec les tri-packs. Quand même les deux petits jetons, bon c'est les mêmes, c'est pas, ça fait rien. Il s'agit de Fennec et je vais quand même vous sortir les deux cartes, mais je vais faire attention, ça je le dégage, c'est l'emballage. Donc voilà la première carte promo. Donc il s'agit de Kyurem noir, que j'aime beaucoup d'ailleurs. On la met sous protection. Ça c'est fait, je sais pas pourquoi, mais comme on disait avec Keios, elles sont pas droites. D'ailleurs on le voit, elles sont vraiment courbées. Et on passe à la deuxième, donc qui est Roussil. On la met aussi sous protection. Je vous la montre un petit peu mieux. Voilà. Et on va tout de suite passer au booster. On va commencer par l'impulsion. On va garder Evolution pour la fin parce que c'est une série que j'aime bien. Et donc c'est parti. On a le premier booster. Comme d'habitude, je vous donne le code. 1, 2, 3. Et c'est parti. Donc on commence avec Étourvol, Lettre du professeur, Pérégrin, Flabébé, Sabelette, Osselet, Sonistrel, Pikachu, Cacnea, et ça commence trop bien, et il y en a qui vont râler, voilà. Bon, vous avez compris, on le garde pour après. Et on passe directement au dernier booster d'impulsion turbo, le petit code, j'espère qu'il me portera chance lui aussi. 1, 2, 3... Et on commence avec Juliette, Poisseroi, Bogueris, Hippopotas, Hérissandre que je trouve trop mignon, Poissirène, Étourmi, Marisson, Rhinolove en reverse. Et on va terminer avec, c'est quand même une eau, et c'est Magnézone. Et elle est trop trop belle. J'aime beaucoup cette holographique, elle est vraiment superbe. Hop, ta protection, voilà, ça c'est fait. Je vais la poser ici pour plus tard. Et je sais que vous allez râler, mais bon, on va quand même garder ça pour la fin. Ou alors, non, on va faire comme on avait déjà dit avec Keios. Donc, celle-là, je vous la montre, c'est la reverse, donc c'est Cacnea, je vous l'avais dit. Pas que je la tienne comme ça. Voilà. Donc, je vais quand même la mettre sous protect. Comme ça, elle pourra pas s'abîmer. Hop. Et voilà. Comme ça, au moins, maintenant, elle est protégée. On n'en parle plus. C'est bon. Et on peut enfin passer à Evolution. Le code. 1, 2, 3. Et là, faut pas que je me gourre parce que normalement, juste là,
On a... Non, je me suis trompée. C'est pas sur cette série. C'est pas sur celle-là, je suis désolée. Je viens de confondre avec Soleil et Lune. Je suis désolée. Non. Je croyais qu'il y avait une énergie, mais non. Pardon. Donc bah du coup, je vous ai spoilé en fait. Heureusement que c'était pas une ultra. Bah du coup, je sais pas si je vous le montre en fait. Bon, pour le fun, on va quand même le faire. Je vais juste pousser les cartes là sur le côté parce que sinon ça va trop me gêner. Alors, donc, Smogogo, Matchhopper, donc une double énergie incolore, Caninos, Pikachu, une énergie psy, Salamèche, Rattata, lien spirituel Turtank en reverse. Et là, bien sûr, il n'y a pas de suspense. Vous savez déjà ce que c'est Electrode. Je suis vraiment désolée. J'ai pas fait exprès. J'ai confondu avec Soleil et Lune. Grosse erreur. J'aurais pas dû, mais en fait, je suis tellement habituée à ouvrir ces boosters que je sais pas pourquoi, mais j'ai vu Evolution. Je me suis dit, ah tiens, faut pas que je me gourre. Faut que je pense à ça. Et ben non. J'ai encore foiré. Je fais tout le temps des bourdes. C'est énorme. C'est énorme. Alors, 2, 3, cette fois, je vais pas me planter. Je vais éviter. Et c'est parti. Alors, super potion, lien spirituel, Flagados, ça doit être un signe, c'est pour ça. Rappel, sac de nœuds, Aspicot, Sabelette, Fantominus, Magikarp, Spectrum en reverse. Et on va finir avec Dardanian. Celui-là, on l'a tout le temps. Il nous poursuit, c'est horrible. Et on passe au troisième booster. Après, j'en aurai encore un. Et on pourra enfin découvrir, juste après, cette carte. Code. Il faut que je fasse un peu de ménage sur la table, c'est le bordel. 1, 2, 3. Alors, Coconfort, lien spirituel, Dracaufeu, double énergie incolore, Soporifique, Chenipan, Fantominus, Topiqueur, Salamèche, Magmar en reverse. Et je vous la montre du coup. Et c'est la 103 sur 108. Et je sais qu'elle est trop belle. Pardon, fallait que je m'exprime. Keyos a dû l'entendre. Ah, punaise. Bon, alors. Faut que je fasse attention en mettant la protection. Toi, tu vas partir à PCA. Tu vas y aller. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, pardon. Je suis désolée, je ne vous ai pas cadré. Sérieux. Oh là là, elle est trop belle! Ça, c'est vraiment mon problème, le cadrage, en fait. J'ai pas regardé la caméra à ce moment-là. J'espère que vous l'avez vue, en fait, depuis le début. Parce que j'ai vraiment pas regardé. Oh là là, elle est magnifique, j'adore cette carte. Elle est trop trop belle. En fait, c'est celle-là que j'aurais dû garder pour la fin. Bon, c'est pas grave. C'est parti, on passe au dernier booster, donc le dernier code, 1, 2, 3, bon, en tout cas, là sur cette ouverture, je peux vraiment pas me plaindre, c'était vraiment des super tripacks. Alors, on va terminer avec spray des évoluants, Magmar, échange, encore une énergie comme d'habitude, Goupix, Nidoran, Ponyta, Pikachu, Fantominus en reverse. Et on va terminer avec Staros. Mec, je le redis, cette ouverture est juste géniale. Elle est géniale. Et donc, on termine avec Oniglali. Enfin, méga, méga Oniglali. X, pareil, c'est aussi une superbe carte. J'ai déjà dû vous le dire, peut-être dans une vidéo, c'est un Pokémon que je n'aime pas des masses.
Oui, il y en a beaucoup que je n'aime pas. Que je n'aime pas en général, parce que je sais que je le dis assez souvent, je le dis tout le temps, ah celui-là je l'aime pas, celui-là je l'aime pas, celui-là je l'aime pas, voilà je le dis vraiment souvent, mais oui il y a pas mal de Pokémon que j'aime pas, bah celui-là en fait partie, voilà, mais c'est pas pire que le fameux Pokémon que Shin m'a fait dans une de ses vidéos, donc. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Elle m'a dessiné un super beau Pokémon que j'affectionne plus que tout au monde. C'est ironique, hein, bien sûr. Donc voilà. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour te remercier, Chine, parce que tu as vraiment été géniale. J'ai adoré ton dessin. Il est vraiment magnifique. Tu dessines trop bien, bien mieux que moi. Moi, je te fais une patate, des yeux, et c'est fini. Voilà, ça, c'est mon dessin. Donc voilà, je ne sais pas dessiner. Toi, tu as beaucoup de talent comparé à moi. Donc voilà, ton dessin est vraiment magnifique. Je tenais à te le dire et surtout à te remercier en vidéo. Vu que tu m'en as quand même consacré une avec ce superbe dessin. Donc voilà. Maintenant c'est chose faite. Donc on va rassembler les cartes. Donc voilà, bah, une holo et deux foulards. Que demander de plus? Elles sont vraiment canon, elles sont trop trop belles, je les adore. Surtout cette petite Mewtwo, et après bien sûr c'est celle-ci. Mais voilà, j'adore cette Mewtwo, je la trouve canonissime, elle est terrible. Elle va finir à PCA et je sens que celle-là aussi va finir à PCA parce que, je le redis, même si je n'aime pas ce Pokémon, je trouve que la carte est juste une bombe. Donc voilà, les couleurs, le graphisme, tout. Voilà, je les trouve terribles. Donc voilà, donc maintenant on va terminer cette vidéo, on va conclure. Donc comme d'habitude, et je vous le redis encore et encore, n'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire, à vous abonner et surtout à liker la vidéo. Et puis bah, nous, on se retrouve dimanche pour le retour de Brock. Et enfin, si y en a un déjà, parce qu'il faut d'abord trouver ce qui nous intéresse. Au pire, ce sera des boosters ou autre chose. Enfin, on trouvera bien quelque chose à vous faire de toute façon. Enfin, je trouverai bien quelque chose à vous faire parce que le dimanche, c'est ma partie. Donc voilà, donc on se retrouve dimanche. À bientôt, salut!